Pierre Michel finit pi bon entraîneur saison 2023-2024 dans Liga. Est-ce que c'est une distinction qui méritait pour Michel? En la vidéo ça, nous prenons bon position autour de distinction ça que Michel lui-même lui prend meilleur entraîneur saison 1. Est-ce qu'on est d'accord avec Ancelotti pas plus mérité distinction ça sous entraîneur Giroudard? Ou pas je ne réponds là. Tap tap sin, mes compagnies, c'est lui qui permet d'ouvrir l'argent by famille à examen en Haïti sans ou pas besoin d'aller dans mes autres sœurs. Ou même quand vivent États-Unis, Canada, Espagne, la France pour me citer pays ça seulement. Télécharge application sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. Famille ou besoin mon en Haïti juste besoin gagner mon cash énergie sur téléphone. Et ça me là automatiquement ou utiliser pour mon code moyen qui en Haïti ou gagner $15 sur première transaction. L'automobile. Téléchargez l'application l'automobile là sur Google Play Store pour placer par sportif ou par simple, par multiple, par combo et désormais gagner basketball et tennis sur l'application l'automobile là. Saison 2023-2024 Liga nous connaît vainqueur là. Real Madrid super champion. 38 matchs pour l'équipe Real Madrid là. 29 victoires, 8 matchs nuls, yon seul défaite. Champion ak brio pour l'équipe Real Madrid là. Mais équipe qui complétait pour Diom saison 2023-2024 là, c'est Barcelone qui finit Liga à 85 points. 38 matchs joués, 26 victoires, 7 matchs nuls, 5 défaites. Dans 5 défaites, Barcelone connaît saison ça, il prend 2 dans le Real. Deux noms Girona. Girona finit lui-même en troisième position avec 81 points, 38 matchs, 25 victoires, 6 matchs nuls, 7 défaites. Dans 7 défaites, ça, il prend 2 gros bâtons dans mes équipes Real Madrid. Eh bien, les gars, décerné prix meilleur entraîneur avec Michel, qui est coach équipe Girona. Qui est-ce qui normalement champion? C'est équipe Real Madrid. Là. Généralement, bon tendance récompenser meilleure équipe. Là. Récompenser des personnalités, le yabay des distinctions individuelles, des personnalités en dans meilleure équipe. Et tendance ça. Saison Real Madrid, c'est une saison extraordinaire. Seulement, on dit fait pour Real. Et c'était quand même une saison qui était en pile difficulté, malgré Real Madrid qu'on est seulement on dit fait. C'était en pile difficulté. L'eau prend 3 ruptures ligaments. Avec Chanier Central, Real Madrid, pas là. Alaba Militao, goalkeeper, vedette, Real Madrid, Thibaut Courtois, blessé pendant longtemps. Aurélien Tchouaméni qui blessé à plusieurs reprises. Vinicius qui fait plus de 2 mois par jour football. Kamavinga qui te connaît coup d'arrêt tout dans la Liga. Bellingham qui raté plusieurs matchs avec l'équipe Real Madrid. Mais ça va t'empêcher l'équipe d'être très compétitive. Goumé pour gagner match et gagner match et arriver champion à 4 journées de la fin. Certainement, je vois un mérite parce que si pas entré, il y a gardien, c'est pas les défenseurs, c'est pas les mêmes qui mettent terrain, c'est pas les mêmes attaquants. Donc, je vois un mérite. Mais travail entraîneur pour tirer le meilleur de joueurs qui n'en mêlent yo, ou pas capable de pas retirer chapeau sous travail entraîneur. Donc, Ancelotti, saison 2023-2024, là, il y a un pile mérite avec l'équipe Real Madrid, ça, qui gagne Liga avec brio.
Côté que li perdu seulement un match, c'est Atlético Madrid qui bat li dans Liga. Li bat Barcelone dans match aller dans match retour, bat Girona dans match aller dans match retour et champion à 4 journées de la fin. Côté Real Madrid, c'est quand même meilleure attaque saison 2023-2024 dans Liga, meilleure défense là. C'était quand même un grand Real Madrid malgré toute difficulté, même par les Lyon. Le premier aspect blessure, question. Ancelotti, décerné meilleur entraîneur pour saison 2023-2024, là, il n'est pas démérité pour Ancelotti parce que il a quand même gagné des arguments valables pour te justifier une distinction du meilleur entraîneur Liga 2023-2024 pour Ancelotti. On parle de meilleure attaque, meilleure défense. On parle de équipe qui complète pour Jom nan Real Madrid battu dans match aller, Real Madrid battu dans match retour. On parle de toute difficulté équipe là te gagne pendant saison ça a bléchi, mais malgré ça équipe là était très compétitive, champion à 4 journées de la fin. Donc Ancelotti t'a certainement gagné des arguments. Mais qu'on y est là, est-ce que entraîneur qui prend prix meilleur entraîneur saison 2023-2024 là qui c'est Michel, est-ce que monsieur démérite? Est-ce que c'est yon insulte football? Est-ce que entraîneur ça li pas fait des choses extraordinaires pour li prend titre de meilleur entraîneur là? Gyoma qui est très important. Girona par Real Madrid. Real Madrid, malgré te gagné blessure à répétition, style gagné un effectif qui gagne beaucoup plus de qualité que Girona. C'est-à-dire, lorsqu'on a une équipe Girona qui n'a pas de joueurs blessés, une équipe Real Madrid qui gagne joueurs blessés, effectif Real Madrid n'a de loin plus bon que effectif Girona qui n'a pas blessé. Je parle de effectif Real Madrid blessé, de loin plus bon que effectif Girona qui n'a pas blessé. C'est le même budget, c'est la même taille, c'est la même équipe, c'est la même tradition. Parler de réussite ou échec pour une équipe ou bien pour un entraîneur, c'est qui objectif que nous t'es fixé? C'est à partir de l'objectif pour qu'elle gagne satisfaction, c'est à partir de l'objectif pour qu'elle gagne certainement et content ou mécontent. Saison 2023-2024, Girona est fini en troisième position. Ça, c'est un fait inédit parce que jamais dans l'histoire, Girona pour qu'on arrive là, m'a parlé de l'équipe Girona. Girona finit Liga à 81 points avec 25 victoires. Tout ça, c'est du jamais vu pour l'équipe là. Ça veut dire fait plus points dans l'histoire, plus victoires dans l'histoire, moins défaites son saison dans l'histoire. C'est l'équipe Girona ça. Fini en troisième position dans Liga, qui gagne quand même Real, Valence, on parle de club traditionnel, yo, Bilbao, Atlético Madrid, Barcelone, c'est extraordinaire. Quand on sort pas l'aspect traditionnel, des équipes comme Villarreal, FC Séville, Sociedad, je fais Girona, histoire football et espagnol. Et il y a une série de équipes comme City Lyon, là où il y a Real Madrid, où il y a Barcelone, il y a une série de équipes qui ont plus bon effectif que Girona. Il y a une différence entre effectif avec collectif, il y a plus bon joueur. Il y a une série de équipes là qui ont plus bon joueur que Girona. Mais collectif Girona, t'es plus bon que eux, c'est parce que collectif Girona, t'es huilé, qui fait que Girona fait sa saison, ça. Mais quand il est là, le regard de l'équipe Girona, pendant longtemps, t'as gommé pour titre. C'est pas Barcelone qui t'a gommé pour titre à Real. C'est Girona qui t'a gommé pour titre à Real. Son fait inédit. Côté que, au non championnat, c'est pas club traditionnel qui t'a gommé à Real pour champion saison 2023-2024 là. C'est Girona, son équipe qui alterne les bons et les moins bons montés, descend, qui pas gagne histoire, qui rete de août
jusqu'à mois de février, ils ont perdu contre Real Madrid. Là, ils ont une bataille pour champion de Liga. On est là d'abord, on doit regarder qui est effectif. J'ai on a gagné Sigankov, Savio, Dovbik, c'est Yann Couto, c'est Mounzaïo, Danny Blind, Hugo Garcia, c'est Mounzaïo. Des joueurs anonymes, joueurs que club prêté, avec Girona, joueurs finis, tant que blind, et puis équipe là fait saison ça. Fait mieux que Atlético Madrid, fait mieux que Sociedad, fait mieux que Bilbao. Des équipes normalement gagner plus bon joueur que yo, alors que yo gagne plus bon joueur que Girona, mais c'est Girona qui a mené bataille là à Real Madrid. Oui, c'est pas entraîneur qui était souterrain comme attaquant, comme défenseur, comme milieu de terrain. Donc des joueurs comme Savio, Yann Couto, Dovbi, Tsigankov, etc. qui mérite. C'est yo qui a fait gol yo avec Dovbi qui est meilleur buteur. Mais qu'on est là, c'est travail entraîneur qui tire le meilleur de Satan Melio comme joueur. Certainement, de un côté yo pas capable de river parce que pour river la grande dimension pour gagner pour river là, bataille avec Real Madrid, bataille avec Barcelone dans Liga, li pas toujours facile parce que yo gen tradition, yo gen effectif, yo gen collectif pour ça. Girona tombé parce que bataille là était rude. Mais kounye là, on équipe qui fait en saison côté que c'est jusqu'au mois de février yo campé. Yo té Ligue 2 championnat. Kap joue football de très grande qualité. Équipe Girona qui bat Barcelone, Jean bat Barcelone saison ça a tout. Qui bat Atlético Madrid, Jean bat Atlético Madrid saison ça a tout. Entraîneur a gagné mérite. Meilleur entraîneur Liga. Kounye là. Est-ce que Baran Celotti, meilleur entraîneur Liga, il tape un scandale? Pas la gagne de scandale si Baran Celotti, meilleur entraîneur Liga, parce que moi aller une série de facteurs pour être capable de justifier que Baran Celotti méritait ça. Cascade blessure, blessure à répétition, des joueurs qui subissent rupture ligament, joueurs qui ont fait aller tourner à l'infirmerie. Real Madrid qu'on une seule défaite, meilleure attaque, meilleure défense. Championnat 4 juniors de la fin, gagne un argument. Mais qu'on est là, leur équipe inconnue, avec des joueurs inconnus, qui fait saison, ça à côté que la mené bataille avec le grand Real Madrid, petit champion, yo vin perdu juste dans le mois de février. Yo fin en troisième position pendant que sous gade Atlético Madrid ou gade Sociedad, certaines équipes ça a gagné plus bon joueur que yo. C'est mettre bravo pour entraîner avec effectif qui dans là. Donc Michel mérité meilleur entraîneur là. Il gagne argument meilleur entraîneur là, on a parlé quand même de deuxième meilleur attaque Liga, de deuxième plus bon goal différence dans Liga qui c'est équipe Girona au football de qualité avec des joueurs que grand public n'a pas connu. Des joueurs que normalement valeur marchande ont augmenté. Valeur marchande d'Ovbik augmenté. Yann Couto, c'est vrai, valeur était diminuée dans le match Real Madrid là, mais ils sont bons défenseurs. Ça m'a dit, il est valable pour Alex Garcia, il est valable pour tant d'autres joueurs qui ont contribué dans sa équipe Girona à faire. Ancelotti, meilleur entraîneur, il tape mérite avec argument. Michel, meilleur entraîneur, les mérite-t-il avec argument au regard de saison historique 2023-2024 que l'équipe Girona a fait.